Marie-Christine, Saguenay-en-Neige débutera bientôt et on commence déjà à voir des sculptures devant les maisons parce que ça se passe différemment cette année. Et oui, de façon virtuelle et aussi, on invite les gens à faire des sculptures devant leur maison, donc Saguenay-en-Neige chez vous. Et nous sommes actuellement chez la directrice générale, Christine Basse, qui est en train de créer des souvenirs familiaux extraordinaires avec sa famille devant chez elle. Et Saguenay-en-Neige chez vous, là, peut-être que ce sera là pour rester même, peut-être pour l'an prochain, tellement ça va bien, Christine. Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue chez nous. Cette année, Saguenay-en-Neige chez vous ouvre son nouveau volet virtuel, une édition toute spéciale de Saguenay-en-Neige. Oui, c'est vrai que ça va créer un beau précédent pour les années futures, pour les prochaines éditions. J'invite tout le monde à consulter saguenayenneige.com et notre page Facebook pour avoir tous les détails et visionner les tutoriels pour vous aider à sculpter chez vous en famille. Donc, les gens qui ne le savent pas trop, là, on va sur votre page et on va pouvoir savoir comment faire pour créer un bloc de neige et prendre toute la neige qu'il y a sur notre terrain. Oui, un peu comme ici, on est presque sur le gazon parce qu'on a vraiment récolté toute la neige qui était possible de récolter. Alors, saguenayenneige.com, dans la section Saguenayenneige chez vous, les tutoriels y sont. Il y aura aussi un spectacle avec Vincent Vallière, donc du 4 au 14 février. Il y a Jana qui est là. Alors, rapidement, Jana, c'est en train de... C'est un défi quand même ce que vous faites. C'est pas facile, là. Ah non, c'est dur. La neige, c'est pas constant. Il y a des morceaux qui tombent. C'est quand même un défi. Surtout qu'on n'est pas des professionnels. On ne fait pas ça toutes les années chez nous non plus. On a manqué de neige. C'était pas dur. Ah ben, c'est beau ce que vous êtes en train de faire, toi et tes sœurs. Merci beaucoup. Bon festival. Et c'est vraiment une belle activité familiale à faire. Merci. Merci, Marie-Christine.